Mesdames et messieurs, je suis très content de me retrouver devant vous pour vous faire part de la manière de collecter les données avec notre formulaire qui porte sur les indicateurs mesures barrières au marché Gambella. Et là, nous voyons COVID-19 et la zone. Le projet, c'est au fait à partir de l'avenue Victoire et nous allons jusqu'à Poussoumélo. La partie qui concerne le marché étant incluse l'ensemble de la zone d'étude. Alors, nous pouvons évoluer, nous disons que le travail est fait par Géomatique, qui a des compétences dans les technologies mobiles. Géomatique fait le système mobile des collectes de données en utilisant des smartphones, des Android dans le domaine de la santé. Ça peut être les e-santé, ça peut être les e-health. Puis aller même dans les MF, hein, health. Nous parlons, nous travaillons également dans le domaine de la, du développement, de l'environnement, dans le domaine des mines, pour utiliser les technologies mobiles, les collectes de données. Nous sommes également dans l'intelligence géographique, où nous utilisons des outils du système d'information géographique pour la production cartographique. Et après, nous pouvons analyser et visualiser les données que nous avons collecté avec des outils d'analyse et de visualisation pour présenter les choses en termes d'outils d'aide à la décision. Étant donné que nous évoluons dans le données, il ne faut pas que le données reste des ressources brutes, parce que lorsqu'elles sont collectées, elles sont des ressources brutes. Mais une fois analysées, les données deviennent des informations. Et la manière de présenter les données aux décideurs compte. C'est ça la visualisation. Et nous faisons ce travail-là. Alors, comme nous gérons les données, nous pouvons également aider les gens qui travaillent dans le data journalisme, le journalisme de données. Voilà quelques logiciels de collecte de données. Ici, c'est Comcare. D'ailleurs, il s'agit de Comcare pour ces formulaires. Nous avons OSM Tracker, nous avons M-Water et les autres que nous pouvons utiliser. Alors, nous conseillons à tout celui qui veut utiliser le formulaire que nous avons conçu sur les indicateurs mesures barrières de pouvoir préalablement disposer du logiciel OSM Tracker. Pourquoi? Parce que nous avons compris par expérience que le formulaire conçu avec Comcare que nous allons utiliser sont bien faits. Il y a beaucoup d'avantages là-bas. Le problème se pose au niveau des informations géographiques. Et lorsqu'on cherche à pouvoir présenter les données, les informations géographiques, et Comcare le fait vite. Et dans cette vitesse, il peut aller à une précision de plus de 260 mètres. C'est pour dire que le point collecté ici peut aller à plus de 100 mètres de là où on est. Donc ce n'est pas tout réel. Ce qui fait qu'il faudra travailler avec un autre logiciel qui va utiliser la puce GPS. Moi, j'ai choisi OSM Tracker que je connais, qui est un logiciel de collecte de données qui permet de prendre des données à peu près comme un GPS, mais au-delà même du GPS, parce que lui peut nous permettre d'avoir les audios géolocalisés, d'avoir des photos géolocalisées, ainsi de suite. Alors, une fois téléchargé sur Play Store, OSM apparaît de cette manière ici, et lorsqu'on l'ouvre, vous avez le plus qui apparaît, et ce plus, lorsqu'on y clique, nous allons au troisième, à la dernière partie qui nous concerne sur cette page. Et
bien, tous les écrits que tu vois clairs et paraissent au préalable pâles, hein, s'il vous plaît, paraissent au préalable pâles, et lorsque ça s'éclaircit, c'est en ce moment-là que l'on peut s'assurer que le GPS fonctionne. Ici, la précision va jusqu'à 7 mètres, à ce niveau, hein, ce n'est pas la fin, ça peut aller jusqu'à 2 mètres. Et vous avez 7 satellites retrouvés sur le 18 qui sont disponibles. Ça vous permet déjà d'avoir un GPS qui fonctionne et qui peut continuer le travail. Alors cette fois-là, on peut aller dans Comcare. Voilà comment Comcare s'affiche sur l'écran. Il est là, dans notre smartphone. Et lorsqu'on clique, comme le code est déjà pour entrer, nous avons ce tableau. Hein, nous allons faire part du code avec le temps. Et nous avons Stat qui est là. Nous cliquons sur Stat, nous entrons dans l'application qui s'appelle COVID-19. Et lorsqu'on clique, nous entrons dans le module qui s'appelle éducateur mesures barrières. Et après, nous pouvons, parce que nous avons placé même la zone d'étude hein, au-dessus, parce que la richesse de Comcare, c'est que Comcare peut inclure le multimédia dans le travail qui se fait dans le formulaire, ce qui est extraordinaire. Et lorsqu'on fait le choix, on avance. Ici, nous avons terminé, si nous terminons le choix ici, nous allons à la deuxième question sur le sexe, nous choisissons. Nous avons également les multimédias hommes et femmes là-bas. Et de l'autre côté, connaissez-vous une ou plusieurs personnes qui ont souffert de la COVID-19? Oui ou non? Donc j'ai mis, j'ai le soin de mettre également quelqu'un qui souffre de COVID qui est sur le lit. Et après, il y a beaucoup de questions, c'est vrai, mais je vous épargne de tout pour vous parler de l'enregistrement. Ici, dans l'enregistrement, c'est à ce niveau ici que la puce GPS fonctionne énormément. Et lorsqu'on y clique, eh bien, nous pouvons avoir les coordonnées géographiques qui apparaissent. Et ici, comme nous avons collecté les données, vous pouvez voir, la précision va jusqu'à 263 mètres de l'endroit où on est. Donc, c'est très compliqué. Et là, nous avons utilisé Comcare sans avoir travaillé au préalable avec un logiciel comme OSM3.15, comme nous avons adopté cela. Alors ici, ce sont le risque. Il faudra voir si les risques sont élevés et si les moyens. Et nous avons mis le multimédia à côté des réponses. Et la dernière question, ça sera juste un témoignage. Lorsqu'on arrive ici, on clique sur l'icône, n'est-ce pas, des records, de l'enregistrement, et de la voix, eh bien, l'audio est enregistré. Et après, on clique sur Finish et